Si est une journée qui restera gravée pour Claude Lelouch puisque le réalisateur de 85 ans s'est marié ce samedi 17 juin 2023 à la romancière Valérie Perrin sous les yeux de nombreuses personnalités comme Jean Dujardin, Laetitia Hallyday et ses filles ou encore Julien Clerc. Le réalisateur qui n'est ne n'est pas à sa première histoire d'amour. S'il file aujourd'hui le parfait amour avec Valérie Perrin, le réalisateur a déjà 7 enfants, 5 filles et 2 garçons nés de précédentes relations. Jusqu'à ce jour, Claude Lelouch s'est marié à 3 reprises. La première fois, c'était en 1967 avec Christine Cochet qui, 2 ans plus tard, donnera naissance à son premier enfant Simon Lelouch. En 1976, c'est avec le mannequin Gunilla Frieden que le réalisateur a accueilli sa fille Sarah Lelouch. À cela, en 1983, est née sa seconde fille Salomé de sa relation avec la comédienne Evelyn Bouix. En 1986, il s'unit à sa deuxième épouse Marie-Sophie avec qui il aura 3 enfants, Chaya, Sabaya et Sashka. Enfin, ce n'est qu'en 1998 que Claude Lelouch a accueilli sa petite dernière Stella Lelouch, née de son union en 1995 avec Alessandra Martine. Supérieure à supérieure à Nagui, Valérie Trierweiler, Claude Lelouch, les couples s'affichent à l'avant-première du film Les Fantasmes Claude Lelouch. Marqué par ses précédents mariages mariés à 3 reprises, Claude Lelouch a cependant livré quelques rares confidences à ce sujet auprès de Catherine Sellac. Des confessions retranscrites dans le livre de la journaliste intitulé « À l'amour, à la vie » paru en octobre 2019 aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, on apprend que le réalisateur octogénaire a des revendications bien tranchées concernant la vie à deux. La journaliste y explique d'ailleurs que même lorsqu'il était marié, ce dernier ne souhaitait clairement pas qu'on lui interdise d'autres femmes. Le mariage, cette étape de la vie qu'il a acceptée à 3 reprises, est pour Claude Lelouch le crime parfait de l'amour, expliquait Catherine Sellac mentionnant qu'aux yeux du compagnon de Valérie Perrin, se marier, si est-il ranger ses affaires d'un seul coup, si est-il comme prendre une assurance vie. Crédit photo, droit d'auteur DFI plus PPX KCS Presse.